Hitachi. Elf Oil, world champion. Coca-Cola. And Goodyear. Bonjour. Bienvenue au Brésil. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle saison de Formule 1, la saison 1995, vous l'aurez compris. Enfin, vous l'aurez compris, oui, avec le titre, vous l'aurez compris. Donc c'est parti pour cette première manche à Interlagos. Nous avons pris donc la voiture de Brundle, donc la deuxième McLaren. Donc sur ce Grand Prix d'Interlagos. Il fait déjà plus de 30 degrés et le mercure devrait encore monter. Le temps est idéal pour un Grand Prix. Et donc on a la chance, il fait beau pour cette première course. On est à 100% d'IA. Nia qui est pas parfait dès le départ. Il va avoir cette grille de départ première avec position. Ayrton Senna en pole position devant Gerberger et nous-mêmes troisième. McLaren a fait de bons essais qualificatifs. Il partira en troisième position. Il, quatrième position. Rubens Barrichello, cinquième position. Jean Alesi, sixième position. Jos Verstappen, septième position. Mika Hakkinen a terminé loin de son équipier lors des qualifications. Il partira en la huitième place. Il y a à peu près 20% de course. Donc les dommages classiques. L'agressivité des pilotes, on est à 50%, donc moyen. Eddie Irvine, 13e position. Et 28 voitures sur la course, non pas 26. Bon, c'est un petit oubli, normalement je suis censé supprimer les deux dernières positions de qualification, ce que je n'ai pas fait là. Mais voilà, donc on a vraiment le plateau complet. 18e position. 19e position. Olivier Panis, 20e position. 21e position. 22e position. Gêné, 23e position. Gêné, 20e position. Et il y a un petit peu pour la 20e position avec Paul Belmondo. On a deux Pacifiques qui partent en 1 position. Et nous, on va partir 3e. Un départ assez moyen, même si on a perdu. Ouais, j'ai pas une place. Attention au freinage. On a une Williams qui s'est embarquée, il y a tout le monde qui part en tête à queue, c'est incroyable. On se retrouve en tête, oh il y a dès le début qui fait n'importe quoi. Oh le départ, on va revoir ce qui s'est passé quand même. Ah ouais, pourtant on avait fait un mauvais départ, mais on s'est un petit peu fait pousser par la Benetton derrière. Ah ouais, devant, et on a déjà, je crois que c'était Coulthard qui s'est placé devant. Et du coup qui a amené la deuxième Williams à partir en tête à queue, celle d'Ayrton Senna. D'Ayrton Senna, pardon. Les deux voitures sont retrouvées à l'extérieur. Oh le carton derrière avec une... avec la Williams complètement à l'extérieur. Et nous on a réussi du coup à s'infiltrer. Oh c'est pas mal, ça fait un bon départ dès le début. On va voir maintenant si on peut tenir le rythme. Donc on a 14 tours à faire pour ce Grand Prix du Brésil. Pour l'instant c'est Barrichello qui est second. Alors vous remarquerez qu'il n'y a aucune position de crit, donc je pourrais vous la donner parce que moi je l'ai. Donc c'est dans le but d'avoir un HUD le plus soft possible. On va franchir le premier tour de la saison en tête.
Et donc notre but... Oh là là, attention, pas sortir trop large. Notre but va être de se battre pour le titre, hein, même si ça va être très compliqué, mais on va au moins essayer. On est avec la McLaren de 94, donc la McLaren Peugeot. Seule saison avec le McLaren d'ailleurs, puisqu'après ils vont partir chez, Jordan. Enfin, McLaren va récupérer le moteur Mercedes. Alors, la voiture glisse beaucoup, c'est pas évident, la voiture 94 c'est difficile à conduire. Alors il y a... bon, on n'est pas à 100% full, sans aide, hein, on est... j'ai la boîte automatique par exemple, il y a un petit peu d'antipatinage légèrement. Mais il faut quand même gérer le traction arrière qui est assez compliqué. Et surtout le freinage, hein, qui est, les pneus ont tendance à se bloquer facilement. Bon, on maintient une distance correcte, hein, on a à peu près une seconde... une seconde, deux secondes d'avance. On est un peu plus lent dans la partie sinueuse du circuit, plus rapide dans, dans cette zone-là. Alors faites pas avoir par les... faites pas avoir par les commentateurs qui sont complètement dans les choux, en fait. Parce que là, par exemple, on est en tête, dit qu'on est dixième, Barrichello est en tête, c'est n'importe quoi. Alors on n'a pas le plus beau moteur au niveau du son, hein. Le V12 Ferrari est quand même bien mieux. Et je vous épargne les qualifications pour avoir une course pas trop longue, hein. On devra à peu près être à une vingtaine de minutes, voire 30. Alors les avaries sont possibles, hein. Je peux avoir un abandon, soit un problème mécanique. En tout cas, au départ, j'ai vraiment eu de la chance parce que c'est retrouvé le mieux positionné pour prendre la tête. Pour l'instant, Barrichello, t'as 2 secondes 9. Ah, faut vraiment faire attention, c'est les vibreurs. Parce que si on réaccélère un peu trop dessus, et ben la voiture elle part en tête à queue directement. Là par exemple, la voiture, je m'en sers un petit peu pour prendre l'intérieur, mais je suis pas non plus trop à exagérer. En tout cas, Barrichello tire la deuxième place, hein, les Benetton derrière qui n'arrivent pas à dépasser. On va profiter de cette course pour le moment pour essayer de marquer des points parce que c'est pas dit que sur tous les circuits on y arrive aussi bien. Par exemple, quand je tombe trop vite dans la vitesse, la voiture a tendance à partir de l'arrière. Bon, je pense que 20% de course est suffisant, hein. C'est pas trop long, pas trop court. Wow, hop, 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 attention. Ça glisse vraiment, vraiment beaucoup. Hein.
Alors pour cette première course de la saison, c'est Schumacher qui l'avait remporté hein, en 94. Senna était parti en tête à queue, il avait abandonné à la remontée du dernier secteur. Et il y avait aussi eu le bel accident entre, wow, entre Verstappen, Barrichello, non Irvine, Verstappen, Irvine, il y avait Comas je crois, et Lunigier. Irvine qui avait trop serré sur l'extérieur, du coup la Benetton s'est retrouvée embarquée, elle est passée au-dessus de la... au-dessus d'une voiture, je sais plus laquelle. Non mais c'était pas une Lotus, je me souviens plus trop. Irvine qui sortait déjà d'un joli blub en 93 avec l'histoire de Suzuka là, où il s'amusait à se battre avec le leader Prost et Senna. Il était d'ailleurs aussi rapide qu'eux, hein, mais comme il était un tour, il était censé se passer. Eh ben non, il a joué avec la tête de course. Et Senna, je crois, a voulu... Je sais pas s'il l'a mis vraiment, mais il a mis un pain... voulu lui mettre un pain. Oh. Le premier virage, en fait, il est tellement lent que... Si on tourne un petit peu trop, il y a trop un tas. Et j'ai l'impression qu'il y a une voiture devant nous. Alors vous allez voir qu'au niveau du classement, ça va être moins binaire que la saison 2002 qu'on a faite sur le même jeu. Donc c'était quasiment Ferrari qui gagnait tout. Là, il y aura beaucoup, il y aura plus de résultats un peu particuliers. Alors j'ai bien entendu l'usure des pneus, ce qui fait que au bout d'un moment la voiture elle est un peu plus difficile à manier. On a 2,5 secondes de Barrichello pour le moment, le car qui reste plutôt stable. Allez, on a passé la mi-course. Bon, cette course, ça sera peut-être pas forcément la plus intéressante, hein, si tu restes tenté du début jusqu'à la fin, mais bon, au moins vous voyez à peu près le... sur quoi on va se baser pour faire les 15 courses de la saison. Je dis bien 15 courses parce qu'on n'aura pas Aïda, un mec qui me pose problème. Wouah, je pars à l'extérieur, attention. Du coup, j'ai Barrichello qui va commencer à me rattraper. Alors les voitures évidemment chacune ont performance différente, hein. C'est un petit peu ça qui est intéressant. Mais vous voyez je passe pas à 6ème, hein. La boîte est tellement longue. Oh! Et ben voilà. On est en sortie devant la Ferrari.
Oui, la petite erreur à l'intérieur du virage, bah, voilà, on perd une place d'aide départ. Il va falloir attaquer par contre si on veut revenir parce que là Bakel est en train de mettre son vent. C'est Barrichello qui gagne la première course de la saison. Pour remonter sur le pilote brésilien. C'est marrant qu'il gagne à domicile d'ailleurs. Je me souviens plus d'ailleurs s'il a déjà réussi à gagner à domicile, je crois pas. Hein. Massa a gagné, mais pas Barrichello. Ou alors c'était peut-être en 2009, je pense qu'il gagne en 2009. Ah voilà, ce virage là, la relance, c'est vraiment pas facile. Ah mais c'est un bug de timing en fait au niveau du secteur. Alors on est 11e des 14e tours à faire, des 14 tours à faire. Vous entendez hein, le bruit du véhicule derrière. Enfin, j'ai repris pas le moindre dixième. Hein. Allez, ça peut le faire. Il faudrait qu'on se rapproche beaucoup plus. Il prend les virages le plus proprement possible. C'est que j'ai les pneus, comment ça va vraiment être usé. Oh, l'écart bouge pas. Et c'est Alizy maintenant qui est troisième. Où sont passés les Benetton? Il reste deux tours à faire. Oh là 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 là. Et ouais, j'ai tapé.
Voilà, j'ai tout plein dans les moments, vous y croyez ça? Ouais, c'est mon tour. Oh, on va tenter à l'intérieur, non, ça va pas passer. Ouais, j'ai ce pensant qui est un peu endommagé, j'ai l'impression. Et voilà, on va tout perdre au dernier tour. Oh, je suis dégoûté. Alors vraiment là. Oh non. On va marquer aucun point, mais vraiment aucun. Et voilà, c'est fini. Et du coup, c'est Brachio qui a remporté la victoire. Oh bon sang, on finit 9ème. Oh là 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 là. Oh cette déception et oh, on était promis, on est passé 2ème, puis 3ème, puis 9ème. Alors du coup. Ouais, de Ferrari sont passés 2ème, 3ème. Schumacher en 4 points, marque la 4ème place. Et 4ème marque 2 points pour tirer. 1 point pour mon coéquipier, heureusement qu'il sauve les meubles. Le pilote McLaren, 9ème position. Et les Williams, donc elles sont 7ème. Ah, Comas a abandonné et Senna a fini 21ème. Wow. Ok. Bon bah, c'est pas grave, hein. Faire accepter. Voyons où on en est au classement du championnat du monde des pilotes. Bon, les pilotes, c'est le même classement. Oui. Alors ce qui est marrant, voilà, c'est que Ferrari est en tête du championnat devant Jordan avec Zeko. Benetton 3ème, Tyrrell 4ème et McLaren 5ème. Ah bah on a vraiment fait le con en fin de course. Hein. En fin de course, la voiture était très difficile à manier. Et la petite erreur à la fin là, ça me détruit tout. Hein. J'aurais pu peut-être terminer 3ème. Mais bon écoutez, c'est pas grave. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la prochaine course à San Marin et non à Ida, hein, comme je l'ai expliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On se retrouve pour la prochaine. Ciao tout le monde.